Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis! Bonjour Mimi Soleil! C'est Mimi Soleil! Mimi Soleil! Est-ce que tu aimes les animaux de la ferme? Tu sais, Lulu, c'est le plus fort pour imiter le cri des animaux. Est-ce que tu veux l'entendre? Alors tu vas crier avec moi. Lulu, pour qu'il vienne. Lulu! Lulu! Oui! Oh, Lulu! Tu m'as fait peur! Bonjour Lulu! Bonjour! Bonjour! Alors Lulu, est-ce que, s'il te plaît, tu peux imiter le cri d'un animal? Oui. Alors, vas-y. Bah. Est-ce que tu as reconnu? C'était le cri du mouton. Le mouton. Hop là. Lulu, tu nous fais encore un cri? Oui. D'accord, vas-y Lulu. Et ce cri, tu l'as reconnu? C'était le cheval. Le cheval. Merci Lulu. Est-ce que tu peux encore nous faire un cri, s'il te plaît? Oui. Vas-y Lulu. Et ce cri, tu l'as reconnu? C'était la vache. La vache. Allez Lulu, encore un cri, un dernier cri s'il te plaît. Oui. Wow! Et ce cri, tu l'as reconnu? C'est le cochon. Le cri du cochon. Merci Lulu, maintenant tous les animaux sont rentrés. Mimi Soleil. Est-ce que tu aimes mes maisons? Combien de maisons peux-tu compter? Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 maisons. Et tu as remarqué, chaque maison est d'une couleur différente. Et en plus, chaque maison porte un numéro différent. Par exemple, de quelle couleur est cette maison? Elle est rouge et quel numéro porte-t-elle? Le numéro 1. Très bien. Cette maison maintenant, de quelle couleur est-elle? Elle est violette et quel numéro porte-t-elle, tu vois? C'est le numéro 5. Cette maison maintenant, de quelle couleur est-elle? Orange. Et quel numéro porte-t-elle? C'est le numéro 9. Oui, très bien. Tu me dis pour cette maison? Elle est bleue et porte le numéro 3. Et enfin, cette maison est brune ou marron
et elle porte le numéro 6. Bravo! Bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet, blanc, bleu. Bleu, blanc, violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Miam, 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 miam. Combien de morceaux de fromage comptes-tu sur cette carte? On vérifie ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de fromage. Et quel animal aime le fromage? C'est la souris, oui. Combien de poussins comptes-tu sur cette carte? Oui. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 paquets de 5. J'ai 10 poussins. 10 poussins. Ah! Et la maman poule. Coucou! Ouf, ouf! Ouf, ouf! Combien de petits chiens peux-tu compter sur cette carte? On va vérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 chiens sont sur cette carte. Oh yeah! Oh yeah! Mémé est au lait! Et regarde maintenant, j'ai des petits animaux au bout de mes doigts. On va regarder chaque animal et on va lui attribuer une maison. D'accord? Quel est ce premier animal? C'est un poussin, un petit oiseau. Ce petit oiseau, on le mettra dans la maison rouge. On continue. Quel est cet animal? C'est un chien, oui. Le chien, on le mettra dans la maison bleue. Et maintenant, c'est un chat. Le chat, je le mets dans la maison violette. Quel est cet animal? C'est le cheval, oui. Le cheval dans la maison marron. Et enfin... Tu trouvais? C'est la vache. Je la mets dans la maison orange. Et regarde, j'ouvre le toit de la maison. Au revoir le poussin. Au revoir le chien. Au revoir le chat. Au revoir le cheval. Et enfin, au revoir la vache. Ça y est, tous les animaux sont dans leur maison. 5, 4, 3, 2, 1. Coucou! Est-ce que tu connais la cantine du petit escargot? Tu peux la faire avec moi. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. On peut la refaire ensemble si tu veux. Regarde. Tu mets ton poing fermé et ensuite tu ouvres les doigts pour faire deux antennes. L'autre poing,
on le pose ici sur le dos de la main. C'est parti pour la comptine. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Mémé Toulaï, est-ce que tu te souviens quel animal est caché dans la maison orange? Je vais frapper à la porte et on va écouter son cri. Attention, c'était la vache. La vache. On va passer maintenant à la maison bleue. Quel animal est dans la maison bleue? Je frappe à sa porte et on écoute son cri. Tu as reconnu, c'est le chien. Le chien, bravo. Et maintenant la maison brune. Quel animal est à l'intérieur? On va frapper et on écoute. Oui, c'est le cheval. Le cheval. Super. Allez, on passe à la maison rouge. Quel animal est caché dans cette maison? C'est le petit oiseau, le poussin. Et enfin, notre maison violette. Quel animal est à l'intérieur, tu te souviens? C'est notre petit chat. Bravo! Bleu, vert, jaune, rouge, bleu, rouge, jaune, vert, bleu. Bleu, vert, jaune, rouge, bleu, rouge, jaune, vert, bleu. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Mémé Toulaï, de quelle couleur est cet œuf? Il est rose. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu reconnais? C'est une vache. De quelle couleur est cet œuf surprise? Orange. On va l'ouvrir. Regarde, il y a un petit lapin.
va chanter la souris verte aujourd'hui. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets sous mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. J'attends Monsieur Lulu, mais il n'est pas encore là. Monsieur Lulu! Lulu! Peut-être que si tu cries très fort Lulu avec moi, il va arriver. Lulu! Peut-être on doit crier encore plus fort, tu es prêt? Lulu! Mais non, il n'est pas là. Oh, j'ai une idée, je vais l'appeler au téléphone. Bonjour Lulu! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends! Ah, tu arrives! Ah ben super, à tout de suite alors! D'accord! Monsieur Lulu! Bonjour Monsieur Lulu! Bonjour! Bonjour! D'accord, tu es prêt maintenant? On peut aller se promener? Oui! C'est parti! Au revoir! Tu chantes avec moi la chanson de la fin? 3, 2, 1. On a joué et chanté, on s'est tous bien amusés. Retrouvez Lulu, Marie et compagnie.